Yo tout le monde, c'est Kratos et Seth Nero la partie 3 de Last of Us. Hein. Dans la partie 2, on avait été à la cinématique où le Renoir il parlait et bon, c'était en décalé. Alors, je sais pas si je devrais mettre les sous-titres ou pas en fait, si vous préférez que je mette les sous-titres. Ouais, parce que il y en a qui préfèrent avec les sous-titres, d'autres. Ma qualité de son n'est pas énorme, donc peut-être qu'avec les sous-titres serait mieux. Mais je sais pas si on verra les sous-titres, c'est ça le problème, parce que mon portable, je sais pas s'il filme le bas de l'écran, les sous-titres, s'ils sont en bas de l'écran. Bref, tout ça pour dire que. Il y a. Comment s'appelle-t-il Ah là là, j'ai perdu son nom. Alors. Oups là. Désolé. Voilà, ça fait quoi de fumer avec un téléphone, hein? Le téléphone peut tomber. Voilà, alors je vais juste aller sur mon PC 2 petites secondes, juste pour regarder qui avait mis le commentaire en fait. Parce que il y a quelqu'un sympa qui m'a mis un petit commentaire comme quoi, en gros, comment dire. C'est comme si je récitais un oral, comment je parlais dans mes introductions. C'est normal, c'est parce que en fait je parle vraiment vite, je parle très vite. Et il y a des gens des fois qui me comprennent pas tellement je parle vite. Et voilà, c'est un de mes nombreux défauts, je parle très vite. Voilà. Alors, il me semble que c'est sur ma première vidéo. Alors. Wesh. Sergent Kekem, voilà. Je dédicace un peu cette vidéo. Pour son message, wesh Mathieu, on dirait que t'es en train de réciter un oral, calme-toi un coup et prends le temps. Il a raison, mais j'ai l'habitude de parler vite en fait, c'est pour ça. Et il y a des gens qui me comprennent pas en fait parce que je parle vraiment trop vite. Et ma chaîne maintenant s'appelle Mathieu Oliveira, voilà. Maintenant vous connaissez mon nom, mon prénom. Mathieu Oliveira parce que j'ai dû changer sans faire exprès et je ne sais pas, enfin, j'ai la flemme, c'est casse-tête pour moi de rechanger, remettre cette Nero, donc je vais laisser comme ça. Bon voilà, alors ce sera encore une vidéo entre 20 et 25 minutes, hein. Enfin entre 20 et 30 minutes, même si je mets beaucoup de temps à rendre. Bon alors on va continuer la partie, alors si nous met la cinématique, bon, peut-être que je la laisserai s'il la met pas, de toute façon s'il la met pas c'est pas grave, vous avez entendu en gros qu'on est arrivé, on a dit ouais laisse nous passer, hein. Et lui il a dit quoi, il a dit ouais, je vais te motherfucking face. Non, sans blaguer. Il a dit qu'il allait nous niquer, tout ça. Et vous avez vu, Tess, elle a flingué, quoi. Voilà. Et là, je vais devoir me taper. Gros coup de tête. Hein, balayette. Patate dans la mâchoire. Non, je veux pas gaspiller trop mes balles, donc je vais essayer de lui frapper au corps à corps. Par contre, s'il y en a qui me tirent dessus, je vais devoir prendre mon flingue et lui mettre headshot. Je vais devoir lui dire bitches. Bref. Voilà. Espérons qu'il n'y en a pas un qui sorte un flingue là qui me tire dessus parce que je vais perdre toute ma vie. Et c'est là vraiment qu'on va commencer à rentrer dans le jeu déjà là, dans cette troisième partie, on va commencer à sentir les patates. Vous comprenez? Voilà, le chargement qui dure 3 heures comme d'habitude. Parce qu'avant c'était un peu trop du blabla, tout ça. Bon. En même temps mes vidéos elles sont courtes. Si j'avais fait des vidéos un peu plus longues. Voilà, mais bon. Le rendu me prendrait une journée si je ferais une vidéo de 40 minutes. Ouais, et bon, vu que, bon, j'habite chez mes parents, je ne peux pas laisser l'ordi allumer une journée sans que quelqu'un arrive et éteigne mon PC, voilà. Et bon, en même temps, l'électricité, c'est pas gratuit, hein, l'argent ne tombe pas du ciel, comme on dit. Bref, 97%. Mon Dieu. Voilà, mon portable vient de vibrer. Ça a dû faire un bruit dégueulasse dans la vidéo. On m'envoie des messages, c'est super. J'aurais dû mettre en silencieux, j'espère que ça fera qu'une fois, comme je vais pas répondre. Comme d'habitude, personne n'a envoyé de message, hein. Espérons que maintenant. Ah voilà. Bon, je vais mettre les sous-titres. Ouais, je vais mettre les sous-titres, comme ça. Sous-titres. Voilà. Qu'on passe.
Il n'a pas mis les sous-titres. Sous-titres, oui, mais il ne les a pas mis. D'accord. Ce n'est pas grave, monsieur. Parlant décalé. On vous fera pas de mal. On veut juste Robert. Ne faites pas ça. Hors de question que je parte sans Robert. Hey, je vais vous défoncer le crâne. Et si vous dégagez immédiatement. Et voilà, dans ta gueule. En mode écoute. Oh non, ils ont des flingues. Putain. Fils de... Vas-y, tire. Non, tire. Ok, ok, regarde ce que je vais lui faire à ton pote. Et tiens, dans ta gueule. Mec, il m'a fait perdre toute ta vie. Putain. Ouais, bien joué, j'ai pas eu toute ma vie. Merci, hein. Puis j'ai pas de trousse de soir maintenant, bah évidemment. Putain. Vous avez vu? Tête contre le mur. L'autre. Mais vas-y, hein. T'as un problème. On peut faire ça aussi, mais pas avec les infectés. Hein. Les infectés, si vous leur dites, ouais, j'ai ton pote, me tue pas, ils vont faire. Bref. Ils vont dire yeah sur ma motherfucking face. Non, sur ma motherfucking pen. Elle va me soulever un bras comme d'habitude. Yeah. Yeah. Bon, maintenant je vais essayer de jouer. Ah, si, il y a les sous-titres. Oh, il y a les sous-titres, c'est bon ça. C'est bon ça. Oh, des rats. On peut aller par là ou pas? Non, de toute façon, il y a marqué attention, on peut pas. Quoi? Ici Joël. Eh, pourquoi tu m'appelles Joël, wesh? Encore des gars de Robert. Comment tu sais? Je les vois. Deux de nos gars sont morts en essayant de buter Tess. Je te garantis qu'elle et Joël sont au chemin pour choper Robert. Putain. On aurait pas dû prendre ce boulot. On n'a pas le choix. Parons-nous pour t'assurer que personne ne redit. Elle lui a planté un couteau, moi j'ai pas de couteau. Mmh. Voilà, alors si vous appuyez sur carré, c'est pour l'étrangler. D'abord, faut l'attraper avec triangle. Si vous avez un serin, comme je vous ai dit, c'est triangle après pour le mettre un coup de serin. Et si vous voulez genre lui mettre une balle pour faire genre le mec, ouais, je lui mets une balle dans sa gueule, vous appuyez sur tirer quoi. Ouais, deux mecs. Je suis passé par Jordan, c'est un tas de soldats ont débarqué avec 5 civils, avec des menottes au poignet. Laisse-moi deviner. Vous avez vu ça? Ouais. Ils les ont alignés contre le mur et bam, bam, bam. Ils ont tous été. Putain de merde. Ouais, c'est comme ça partout en ville. Ils leur tombent dessus sans ménagement. J'ai un cousin avec eux. Sérieux? Ouais. Ce crétin pense qu'il va sauver le monde. J'espère qu'il va bien. Et tiens, moi je suis plutôt le mec qui étrangle. Oh, la clé. La clé. Il n'y en a aucun qui a des munitions. Non, évidemment. Oh, vous voyez, une petite barre là, j'ai faim. Ça m'a redonné que dalle de ma vie aussi, normal. Y a pas des ils ont pas de balles. Alors les mecs, ils ont pas de balles. Et puis évidemment. Y a un truc pour manger encore. C'est les mecs qui mangent des trucs de la poubelle. Tout va bien, monsieur. Lorsqu'il vous reste peu de munitions, envisagez des stratégies pour survivre. Ok. Alors, vous pouvez lancer les bouteilles sur les gens ou les attirer avec la bouteille, quoi. Moi, je suis plutôt le mec... Oh, putain. Plutôt le mec avec un flingue, moi. Pas headshot. Non, je rigole. Pas la jouer comme ça, là, parce que sinon...
Oh l'autre, il va me voir à gauche là s'il tourne sa putain de tête. Tourne pas ta tête, tourne pas ta tête. C'est bien, c'est bien. Culé. Hein. Pas mal. Ouais, pas mal, ouais, je sais. Ok, alors lui, il monte là-haut, tranquillement à base de tranquillade. Dépêche-toi de monter, sinon je te brain. D'avoir un bisu par là. Kéké des plages, genre, non? Et ils sont tous partis. Faut rester accroupi, sinon vous s'entendent, c'est mort. J'ai pas envie de me faire niquer. Oh, j'avais jamais vu qu'on pouvait aller par là. Ah bah oui, en même temps, y'a rien du tout ici. Super. D'habitude, je passe plutôt par le haut, mais peut-être que je vais essayer de passer par le bas. Il y a des gardes en haut, putain, c'est chaud. Oh putain, vous avez vu? Putain de merde. Il y a deux gardes en haut. Oh mon dieu, il me voit pas. Oh mon dieu! Like a boss. Oh mon dieu! Putain, j'ai cru qu'il m'avait vu. J'ai cru qu'il m'avait bicrave de la night. Non. Mais merde, il m'a vu lui. Putain. On va devoir se taper à la Street Fighter. D'accord, à la Street Fighter. Je suis en train de gaspiller. Oh putain! Tiens, dans ta gueule! Voilà! Moi je dis c'est comme ça qu'on règle les trucs! Coup de tête! Ta gueule! Personne avec nous! Trousse de soins! Ok, une bouteille. Ah, j'aurais dû tuer celui qui était là, ouais. Motherfucker. Mais est-ce que ce serait possible d'avoir des munitions? Oh, un serin, vous voyez. Hop là, là ils vous disent ce qu'il faut faire avec le serin. Hein. Bref, moi je le garde, le serin, pour les portes là. C'est mort. Hop là. Voilà, ce saut. Il faut aller où déjà? Ah oui, c'est bien. Il y a des choses interactives qui vont maintenir et des fois il faut appuyer plein de fois, genre ça, plus vite possible parce qu'il y a des zombies qui regardent vous. Blah. Et bref, je deviens fou un peu. Vas-y, m'aide pas hein. Oh non, là y'a les mecs. Robert. Il a un dictionnaire. Ok. Je me pends et j'arrive. J'en viens. Je vais me pendre et j'arrive. Mais oh oui! Oh putain, je suis en ouf. Si je jette une bouteille dans sa gueule, c'est trop marrant. Non, je vais pas le faire. Il y a un mec normalement par là. Ah, il est là. Préfère encore rester ici. Ah, mais il parle tout seul. Vas-y là. Ah, moi je préfère les briques, ça fait plus mal. Alors, soit vous pouvez prendre une bouteille, soit vous pouvez prendre une brique. Hein. Vous pouvez pas prendre les deux. C'est fort dommage. Putain, je vois personne. Y'a son père dans ce patelin perdu, wesh. Oui, là, qu'est-ce qui apparaît qui se passe? Oh, un serin. Oh, les gens, ils sont fous de me donner des serins comme ça. Et quand vous améliorez le serin, vous pouvez... Là, si j'utilise le serin, je peux donner qu'un coup avec le serin. Si j'améliore le serin, je pourrais donner deux coups avec. C'est ça qui est bon, les amis.
Bah il m'a cramé, vas-y, c'est mort. Oh non, il est... Oh putain, il a un truc en bois, lui. Oh putain. Eh, l'autre, il va me tirer dessus. Vas-y, cours, mon gars. Elle lui fait trop le malin avec son truc, là. Attends, je crois que tu veux m'inquiéter avec ta batte, là. Tiens, écrasement de tête. Aïe. Ouais, bah oui, de là-bas. Excusez-nous, monsieur Sniper. Allez, viens. Headshot. Oh là là, maintenant, j'ai une batte, là. Vas-y, tu tapes avec moi, je... Oh, mon Dieu. Eh, tu fais le malin, toi. Tu fais le malin. Vas-y, sors de là, sors de là. Non, sors de là, où elle est. Où elle est. Où elle est, sors. Tiens. Putain, mais moi, je lui ai dit, déjà dit, j'ai pas le temps, là. Papa. Et lui, il a pas lâché de balle, hein. Eh non, le mec, il a lâché une brique. Tête de brique. Par contre, des fois, j'ai jamais regardé ici, ça se trouve, il y a des trucs au-dessus et tout, genre plaplam, flex, tout ça. Hop, genre, je sais pas, des trucs, quoi. Ouais, genre là. Ouais. Les barres qui est en dessous, le bout de bois que vous avez, ça veut dire... comment dire? Ça veut dire combien de fois vous pouvez taper avec avant qu'il se casse. Oui, je vais taper 4 fois avant que mon bout de bois se casse, avant de mettre un gros jump dans sa tête. Les bureaux, là. Robert a dû s'y réfléchir. Vas-y, go. On y va. Reculez, reculez, bordel. On veut juste parler, Robert. On a rien du tout à se dire, putain. Baisse ton arme. Allez vous faire foutre. Voilà, erreur, jeter son arme. Robert. Eh, hey, Robert. Joël, par ici. Oh là là. Vas-y, toi, tu crois que c'est dans les films, tu veux me ralentir comme as, t'es un ouf. Putain, donc, à chaque fois, je me fais niquer ici. Haha. J'ignore ce qu'on vous a dit, mais c'est faux, ok? Je veux juste... Les armes. Tu veux nous dire où sont les armes? Oui, bien sûr. C'est compliqué. D'accord? Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer. Je dois... Ah! Oh, merde! Ah! Stop! 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 Merde. Arrête de gigoter. Tu disais... Je les ai vendus. Oh, tiole. Oh. Excuse-moi. J'avais pas le choix, je m'étais engagé. Envers nous. Mais t'as misé sur le mauvais cheval. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. C'est peut-être ce que j'aurais fait si t'avais pas essayé de me tuer. Allez. Qui a nos armes? Je peux pas. Donnez-moi juste quelques jours. Ah, enfoiré. Qui à nos armes. C'est les Lucioles. Ouh. Je les ai vendues aux Lucioles. Quoi? Écoutez, ils sont presque tous morts. On a qu'à y aller et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites? Moi je dis Watchot. On s'en fout des Lucioles. On va les chercher. C'est vraiment une idée de merde. Pouf. Elle est blague pas. Et maintenant? On va récupérer notre marchandise. Comment? J'en sais rien. On peut leur expliquer. Écoute, allons voir une Luciole. Pas besoin d'aller très loin. Eh ben voilà.
reine des Lucioles. Pourquoi vous êtes là? Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Où est Robert? Chat. Il me le fallait vivant. Les armes qu'il t'a données, elles n'étaient pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. L'amour est étonné. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer? Vous les méritez. Ok, gros chat, moi je dis ça se mérite. De combien de cartes t'as besoin? Rien à faire, des cartes de rationnement. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi. Et je vous rends vos armes. Une plus. Comment être sûr que tu les as? D'après ce que je sais, l'armée vous a décimé. T'as raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes. Je dois y aller. Vous en dites quoi? Je veux voir ces armes. Suivez-moi. Bon les amis, on va s'arrêter à cette cinématique parce que ça fait déjà 21 minutes 33 que je filme. Et après, si je m'arrête à la prochaine cinématique, elle sera vraie dans longtemps, je pense. Dans à peu près 20-15 minutes. Donc ça fera un peu trop long pour moi, pour rendre la vidéo. Mais vous inquiétez pas, je mettrai une vidéo chaque jour sur ma chaîne. Sauf le week-end. Le week-end, une petite pause, ça. Sauf si j'ai le temps, mais je vous promets rien. Alors, vraiment la semaine. Et je partirai en vacances, je ne sais pas quand, donc quand je mettrai plus de vidéos, c'est-à-dire que voilà, voilà. Et bon, quand je reviendrai, je ferai des vidéos et on partagera nos moments d'habitude, de plaisir, de plaisir, de jouissance même. Bon, voilà, et nous, si vous voulez mettre un petit pouce vert sur la vidéo parce que vous avez bien aimé cette vidéo et si vous abonnez à ma chaîne, ça ferait très énormément plaisir, énormément, parce que... Parce que je vous aime et j'aime les gens qui regardent mes vidéos. Ça me dit que je fais des vidéos pour des gens que qui regardent, quoi. Bref, voilà. Bon, alors, je vous aime, mes abonnés, tous ceux qui regardent les vidéos. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les gens!